Bon, du coup, qui est Moebius? Est-ce que c'est le gars du début, là, avec son torse, avec ses os qui sortent de son torse, le nécromancien, là? Je ne sais Massue à plus. pointe, épée de feu, massue à pointe. Pourquoi je fais ça? C'est complètement con. J'ai vu l'avenir, Ken. Tu n'en fais pas partie. Mais arrête, au secours, quoi. Ah, quoique, je pourrais... Vae Victus! Vae Victus! Ok. Utiliser des objets, mais tu es fou! Tu es fou! Tu es fou, Harry. Bah ouais, non, mais là, c'est vrai que je suis quand même. J'ai vraiment la blinde, quoi. Putain, ces petites épées nulles. Ah! Ah non! Alors, comment te dire? Appelons-en au pantin du passé. Mais comment je te tue? Je suis pas convaincu, hein. Je suis vraiment, vraiment pas convaincu. Hein. Je vais tenter que ça. Mais. Implosion ralentie. Fond de la planète de Nupraptor. Banque d'énergie. Bah, je suis vraiment pas convaincu du tout. Ah, oh bah oui, vas-y. Comment faire, comment faire, comment faire, comment faire? Banque d'énergie, massue à point les haches. Est-ce que j'utilise ça? Ah oui, il continue à me tirer dessus en plus. En téléguidé, super. Hop, allez attaquer, super. Bah ouais, parce qu'en soi... Attends, est-ce qu'il fait mal? Ah, ça ralentit, c'est tout. Est-ce que je prends des dégâts quand même? Parce que j'ai pas l'impression. Non, bah c'est tout en fait. Ah, bah c'est ouvert. Cool. Petite épée nulle. Du présent. Ah, du passé, du présent, et après sera le futur? J'imagine. Je comprends rien de ce qu'il faut faire, hein. Ah, il y a un crochet, lui. H, massue à pointe. Ah, salaud. Allez, tu peux disparaître. Super. Vae Victus. C'est bon? Je peux y aller? Oh, on va se faire chier. Contrôle le mec avec son fouet pour taper plus loin. Ah. J'avoue, j'aurais pu. Douche, contrôle de l'esprit. En vrai, est-ce qu'on peut contrôler le boss? Ce serait complètement con, hein. On va se... Je sais pas, voilà, mais... Non. Contrôle de l'esprit. Torture de l'esprit. Ah! C'est pas ça que je voulais faire. Torture de l'esprit. Torture de l'esprit. Mais non. Torture de l'esprit. C'était quoi que j'avais? C'était le bouclier. Douche, mort, torture de l'esprit. Allez, arrête avec cette merde là. Allez. Ce qu'on soit, c'est le boss quand même. Ouais, bah ouais. Bah, allez, je vais me faire toucher comme ça. Allez, ah, je suis ralenti, super. En fait, faut juste survivre quoi. C'est naze qu'il y avait qu'un ennemi. Ah, mais j'ai pas que ça à foutre, sans déconner. Ah, la zone est petite, ah là là, fou. Et si je mets ça, tu fais quoi? Et des temps à venir. Ah! Combat contre moi-même! Vae Victus! Est-ce que je peux boire mon propre sang? Vae Victus! Bon, je vais pas chercher à comprendre. Les haches. Vae Victus! Vae Victus!
Putain, il est increvable, lui. Vache. Enfin, je suis increvable. Oh, des éclairs. Ouais, hey, Victus. Ah, les coups ralentis, putain. Les haches, massue à pointe. Les haches. Ah, c'est bon. Pour être tout à fait exact, oui. Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Mmh. Oh, salut. C'est la Fernando. Ah bah c'est fini en fait. Et merci, j'ai pas vu, oui. Eh ben merci d'avoir follow, bien sûr. J'espère que tu vas bien. Ah, l'éclair est fort, hein, quand même. Bon, bah, on a battu Moebius, j'ai l'impression, dans le doute. Je savais que le sablier de Moebius était l'élément principal de son appareil à remonter le temps. Adieu, sorcier. Le sable du temps ne coulera plus pour toi. Super. Bien joué, Ken. Ah, Moebius aimait tant jouer des tours. En se faisant passer pour l'oracle, il a fait avancer ses plans. Dommage. Avec tous ces complots, il a compté sans toi. Viens à moi, mon fils mort-vivant. Rejoins vite les piliers. La scène est prête pour l'apothéose. Tu auras ta revanche. Ça sent la fin du jeu. Ça sent vraiment la fin du jeu. C'est ça qui est bon. Ah, attends, du coup... C'est la sortie. Est-ce qu'il y a un truc en dessous? Ah bah ok, d'accord. Ah bah d'accord, direct au pilier, hein, on va pas chercher à comprendre. Oh, il y a des éclairs et tout, putain. Ça dégonne zéro. Hop, pour être sûr. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Torture de l'esprit. Massue à point, épée de feu. Pour l'épée de feu. Trop premier jeu que j'ai fait de ma vie et j'ai adoré les autres, je les ai tous faits, je suis un grand fan de cette grande saga. Ah bon, c'est pareil, hein. Ah, quand j'étais tout jeune, tout gamin, j'ai fait ce jeu là, mais il y a vraiment très longtemps. Et du coup là, je voulais le refaire. Après c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde pour regarder, mais bon, soit après, c'est vraiment un vieux jeu, il faut vraiment vouloir, enfin aimer, parce qu'il y avait vraiment des vieilles mécaniques et tout. Mais très très bon jeu. Après même les Soul Reaver, ils étaient excellents. Après, j'ai trouvé un peu plus compliqué à jouer aujourd'hui parce qu'ils sont vraiment. C'est pas archaïque, mais. Pff, tu conduis un camion Ben, quoi. Le perso, il est hyper lourd. Mais ouais, c'est vraiment des bons jeux, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Cinématique, je pense. Ah, parce que du coup, il y a une subtilité à savoir, c'est que. J'ai téléchargé le jeu et les cinématiques se lançaient au début et maintenant, non. Ouais, il y a une cinématique normalement. Donc ceux qui sont intéressés, faudra les regarder parce que sinon bah voilà quoi. Du coup D'accord. Ah bah oui, non mais vas-y. Les haches. On va pas chercher à bon. Ah bah voilà. C'est pas le boss de fin quand même. Ah mais non, il est pas mort. Attends, il... Ah non, si c'est bon. Hey, Victor! Ah du coup, mais sans les cinématiques, c'est compliqué, effectivement. Y a moi comme spectateur, je m'attendais pas à voir ce jeu ici. Ah merde, putain, pardon, je regardais le truc et j'ai pas capté. Attends, il a fait quoi du coup? Ah mais c'est le boss de fin, vraiment? Je pensais que c'était une statue en fait. Ah le coup. Ah, faut arrêter. Je perds la masse de vie quand même. Ça pique. Épée de flé H. Ouais, épée de feu, tout ça. Et oui.
Ah, moi j'aime bien faire les vieux jeux et puis j'ai pas un PC qui. Un PC du fou de Dieu, donc moi ça m'arrange. Et du coup, ouais, sur. Si tu peux le voir sur la. Attends. Ce que j'entends rien de ce que je raconte, de toute façon. La magie de ah merde. Était contenue dans le métal de la balance. En fin de compte, elle devait être renvoyée dans le pilier d'où elle était sortie. D'accord. Je plaçais devant le pilier des états la balance d'Anarkroth. Ah oui, du coup, ils ont dû rusher le truc parce que du coup, on a récupéré 3 items en moins de 2 minutes, quoi. Le pilier accepta cette offrande. Ok, c'est bon. Il fut alors restauré. L'orbe de la mort de Mortanius avait... Oh attendez, parce que lui, il m'est vraiment cher, quoi. Le contrôle de la tombe. Putain. Je croyais qu'il était le dernier membre du cercle, mais il avait mentionné quelqu'un d'autre. Doublage supérieur à Soul River. Ouais, là, franchement, ouais. À Soul River, franchement, elle est... Ils ont mal dosé le truc, hein, parce que elle est vraiment stylée, quoi. Mais non. Les haches, c'est un peu dommage. Les haches, épée de feu. Devant le pilier de la mort, je plaçais l'orbe de Mortanius. Le pilier accepta cette offrande. Il fut alors restauré. Super. Épée de les haches. Ce combat naze, quoi. Vite, dernier pilier, je sais pas quoi. Hop. Mais oui, du coup, comme je disais, ouais, le streamer principal, c'est Lund, qui est dans le... Enfin, X-Play Live, plutôt. Enfin, Lund. Et lui, il fait plus des jeux récents. Bon, je fais les bruitages, hein, du coup. Save. Tu suis pas le boss, c'est save. Bah, oui. Ah mais du coup c'est nul. Ah non mais c'est naze. Ah putain. On n'a pas les cinématiques du coup on comprend rien de ce qui se passe. Et ça c'est malheureux. Parce que l'histoire est vraiment complexe hein, pour le coup. Mais en gros on a restauré les piliers. Alors, les piliers à quoi ils servaient à la base. D'après Wikipédia. C'est les anges qui ont construit les piliers qui pour enfermer la porte des démons, je sais pas quoi. Du coup, ils ont installé ces piliers et ils les ont gardés. Et au fur et à mesure des années, les humains, ils ont contrôlé ces piliers. Pourquoi pas? Et du coup, maintenant, c'est le bordel, c'est ouvert la porte, tout ça. Nous, on l'a refermé et on peut choisir, parce qu'on est apparemment les maîtres du monde, de détruire le monde, enfin de contrôler le monde, ou de le restaurer. Et je crois que c'est ça les cartes. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. J'ai pris un truc au pif. D'accord. Elle dit des secrets 38 sur 100 hein, quand même. Prestige, princesse. Je suis une princesse. Et ça c'est bon. Version PC. Ah merde, putain, normalement... Putain, c'est vraiment con qu'il n'y ait pas les cinématiques. Hein. Mais normalement, tu pouvais... elle te disait, soit tu sauves le monde, soit tu contrôles le monde et tu l'emmènes à sa perte toi-même, quoi. Et j'ai pris un truc, et apparemment, vu comment c'était installé, t'avais Kane sur un trône avec un verre de sang. Et en fait, tu deviens le roi des vampires, si tu veux, et puis tu contrôles le monde. Ou alors, dans l'autre, tu laisses le monde avec les petits oiseaux et l'herbe verte. Oui, mais le choix à la fin est pas logique. Moi, je suis acheteur un des plus gros cons du stream. Le choix est pas logique. Si tu prends le jeu seul... Pff, ouais, non. Bah, vu que là, il n'y a pas les cinématiques, je me rappelle plus tellement non plus. Mais il est pas logique. En soi, si tu prends Soul River, t'as Kane qui contrôle déjà le monde et que le monde est déjà dans sa perte, blablabla. Donc, non. Le choix, il est fait dans Soul River, quoi. T'as pas trop le choix si tu veux être canon ou truc. Après, si tu prends le jeu tout seul, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Bah, par contre, je suis vraiment déçu que la fin est rushée comme ça à cause des cinématiques manquantes, quoi. Et putain, du coup, on a fini le jeu ce soir, la vache. En fait, le choix, il détruit les piliers, en fait. Ah oui, c'est ça, de laisser les piliers pour le monde et les détruire, je sais plus. Bref. Ah merde, putain, je suis déçu. Ah non, mais on aurait dû regarder s'il y avait le doubleur français. Oh, merde.
Putain. Le doubleur français, quoi. Putain, j'aurais tellement voulu savoir son nom qui était tel. Les doublages sont tellement bons, quoi. Option. Si on fait charger. Ah, on revient, d'accord. On revient là. Et du coup, attendez. Ok. Épée de feu. Prendre ça. Prendre ça. Épée de les haches. Super. Est-ce que les cinématiques marchent vraiment pas pour le coup? Ça, c'est un peu dommage. Non, j'aurais pas le temps. Vas-y, viens là. Super. Fey Victor! Les haches, épée de feu. Les haches. Fey Victor! Save, oui. Ah. Ah, voilà, c'est ça. On voit un peu sur les trucs. Soit tu détruis les piliers et tu deviens le chef. Soit tu restaures les piliers et les petites colombes. Les herbes, tout ça, tout ça. Elles peuvent, elles discutent plus, elles. Non, on s'en fout. Et tu peux te barrer complètement, dire. Non. Ah non, tu peux même pas utiliser la chauve-souris. T'es coincé là. Le TP qui est au début du jeu est disparu. Ouais, c'est soit on restaure le dernier pilier, soit on détruit et puis voilà. Et voilà. Sling, ouais, bah, j'ai tué 1838 trucs quand même. Mutilation. Combien de fois je me suis fait toucher par les trucs du coup? Et secret 38. Putain. Ah du coup, nous, notre image. Ok. Faudrait voir ce que ça explique. Hein. Du coup, voilà. Moi j'aime bien les vieux jeux. Bah écoute, moi c'est pareil. J'aime beaucoup les vieux jeux. Et puis... pas mal les jeux indés aussi, pour beaucoup, parce qu'ils consomment pas trop de ressources finalement, donc c'est plutôt cool. Mais moi je suis plus Metroidvania, donc je vais sûrement en faire d'ailleurs, faudra que j'en fasse. Bah déjà, c'est peut-être le prochain jeu que je vais faire finalement. Lund, je pense que toi tu sais ce que ce sera, parce qu'on y a joué un petit peu. Enfin un petit peu beaucoup quand même, mais je pense que c'est celui-là que je vais faire, je pense. Ou alors complètement l'opposé, et je veux... voir mes envies en fait. Donc on verra bien, on verra bien. Si tu aimes bien les vieux jeux, les vieilles personnes, tu vas adorer. Salaud. Du coup, Ista, Spelunky le jeudi, Hollow Knight, bah j'hésite. Parce que bah, c'est vrai que j'avais lancé un Astropole sur avec Spelunky, donc je pense que je vais faire du Spelunky. Hollow Knight, je vais le faire aussi de toute façon, ça c'est sûr et certain. Je vais faire du Hollow Knight. Après, si vous avez des idées de jeux intéressants et pas trop chers, moi je suis preneur. Je sais pas si c'est des idées de vieux jeux, mais c'est vrai que enfin les gens ils sont pas hyper hypés sur les vieux jeux. C'est assez rare. Pour dire, Fernando, je crois que t'es le seul sur Blue Domain qui est venu en plus de ceux qui sont habituellement là. Donc, je joue à Tomb Raider Anniversary en ce moment. Ah, c'est vrai qu'il est cool l'Anniversary. Moi je l'avais fait, mais c'était sur... sur quoi je l'avais fait? C'était sur Wii, je crois. Il me semble. Ouais, c'était sur Wii. Et il était... Enfin, il est vraiment cool, hein, pour le coup. Hein. Très très stylé. PUBG, Half-Life 1, très vieux jeu. Half-Life 1, j'ai jamais touché un Half-Life. J'ai jamais eu entre mes mains. C'est un peu dommage parce que le jeu est plutôt cool. Hein. Mais ouais, très vieux jeu, effectivement. Mais ouais, je pense que ce sera du Spelunky après. Moi j'ai une idée du vieux jeu si tu veux. Bah vas-y, partage. Hein. Non, on a le temps, je pensais pas finir le jeu aussi rapidement. Ce soir quoi, finalement. Donc vas-y, n'hésite pas. Je laisse comme ça parce que sinon ça fait un retour bureau et j'ai pas d'idée de truc à mettre. Après si tu veux on a un Discord aussi. N'hésite pas si tu veux rejoindre et puis donner tes idées ou venir discuter avec ceux qui sont là, y a pas de soucis, hein, clairement. Plus on est de fous, plus on rit. Je sais pas s'il y a une commande pour donner le lien Discord. Peut-être point d'exclamation Discord, si c'est ça putain. Discord, est-ce que ça marche? Oh putain c'est bon ça. Mais il est pas très connu, mais je l'ai trouvé excellent. Ah! Quel est-il? Pas très connu. Bon,
Ça peut être tout et n'importe quoi, donc... Évidemment que ça marche. Ah bah bien sûr, on a un streamer principal de qualité qui a fait que tout soit en ordre. Et sinon, tu as elle qui donne toutes les commandes. Ah ouais? Effectivement. Best Warframe. C'est vrai qu'à la base, on faisait du Warframe. Pas la Watch, pas la... Plagiadins. Oh la vache. Ah oui, bien sûr, on a l'un de grands joueurs de Paladins en retraite, retraité. Mais qui maintenant, hier, a fait un stream Fortnite. Donc je sais pas, comme j'ai pas suivi, je sais pas si tu vas en faire d'autres d'ailleurs, finalement. Parce que j'imagine que ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas eu de retour négatif. Mais en même temps, il n'y a jamais de retour négatif. En même temps, il n'y a jamais de retour tout court, donc voilà. Mais du coup, Fernando, c'était quoi ton jeu? Sûrement. Ok. Plus, ton pseudo, c'est Fernando, quoi. C'est voilà, c'est Paladins, quoi. Bon. Pas de réponse. Putain, c'est chiant ce truc là. Hop. Bon, bah tant pis. Au pire, tu diras sur le Discord si jamais tu viens. N'hésite pas. Ah, pardon. Attends, je le marque. Ah, pardon, ok. T'aurais préféré un Dark Sasuke 71? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi j'aurais préféré ça? Sasuke, c'est pas dans Naruto ce truc là? Au pif, pif absolu quoi. Putain, j'ai tellement la dalle aussi quoi. Vache, j'ai rien bouffé ce soir. Ça, j'ai oublié ce que tu m'avais dit. Tu es pas dispo ce week-end, c'est ça? Ou tu savais pas. Normalement j'étais pas dispo. Là je suis peut-être éventuellement dispo. Donc je peux pas te dire à l'avance. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais de toute façon le samedi et le dimanche, enfin c'est des streams à toi. Donc ça ne change rien. S'il y a vraiment quelqu'un qui regarde la VOD, il va vraiment se faire chier pas avec les gros blancs qu'il y a quoi. Et Ascens 3 continue. Ouais, ouais, je sais bien. Mais du coup, ouais, tu l'aurais calé samedi. Bah écoute, j'essaie de. Je t'ai envoyé une demande Discord. Ah! Ça marche. Parce que là, si je fais un retour bureau, le truc il va. Le jeu, enfin, le jeu comme il est. On va dire instable, c'est assez compliqué. Mais ouais, il n'y a pas de soucis. Je vais couper la VOD du coup. Ouais, d'accord, je me doute, hein, parce que là, franchement, sinon, c'est assez infect. Mais ouais, non, mais il n'y a pas de soucis. Bah écoute, Fernando, je vais regarder ça tout de suite. Et puis, puis ça marche. Et puis, Lund, pour samedi, pour répondre à ta question, je te dirai ça ASAP. Voilà, parce que là, pour l'instant, je n'en sais rien du tout. Je pense que je suis dispo, mais pas sûr, donc. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce, la bonne soirée, et puis bah, moi je pense que je vais aller me coucher juste après, ou je vais être un peu sur Discord si jamais il y en a qui... Il y a des trucs à me dire, et puis bah écoutez, sinon, sur ce, la bonne soirée, des bisous, et puis bah à la prochaine, j'ai envie de te dire, hein. C'est déjà pas mal. Allez, chouchou.